Caché ou pas, j'arrive, de Lolita Séchant et Camille Jourdi. Donc c'est un format bande dessinée, c'est-à-dire qu'on a des phylactères et des cases. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a vraiment le décompte, puisque c'est une partie de cache-cache, grandeur nature, avec deux personnages principaux, donc Bartok Biloba et Nook, sa copine. Et ils vont faire une grande partie de cache-cache un mercredi, vu que c'est le jour évidemment de congé des enfants. Et donc vous avez le décompte, avec chaque fois en haut à droite de la page le décompte numérique. Donc ça donne une petite forme de dynamisme, un peu de stress comme ça pour les enfants qui doivent trouver absolument la meilleure cachette. Donc on va suivre Nook qui va essayer de trouver la meilleure cachette et Bartok qui lui compte, évidemment. Alors la vraie bonne idée dans cette bande dessinée, c'est d'utiliser donc les personnages en noir et blanc, les deux protagonistes principaux, dans le reste du décor en couleur. Alors c'est un premier pas dans la bande dessinée puisque ça va vraiment permettre aux enfants de comprendre les codes de lecture de ce type de média. Donc on peut tout à fait commencer à lire cette bande dessinée vers 3 ans et demi, 4 ans. D'abord avec un adulte pour comprendre le contenu des phylactères quand on ne sait pas encore lire. Et puis ensuite tout seul sans problème. Donc c'est très très dynamique, très drôle aussi. C'est un véritable coup de cœur pour ma part. Et donc c'est une bande dessinée aux éditions Actes Sud.